Conformément à l'article 114 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement a procédé ce matin à la cérémonie de l'installation du bureau d'âge 15 jours après l'élection sénatoriale. Ce bureau sera dirigé par les doyens en âge, assisté de deux sénateurs moins âgés comme premier et deuxième secrétaire. Ce bureau conduit par Pascal Kindwelo, secondé des Kakzadi Kankonde Ivan et de Moïse Ekumba a pour mission la validation des pouvoirs des nouveaux élus et l'adoption des règlements intérieurs ainsi que l'élection du bureau définitif du Sénat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la Radio-Télévision nationale congolaise. Les candidats présidents de l'Assemblée nationale de l'Union sacrée pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe, a déposé sa candidature hier à l'Assemblée nationale. Les gagnants aux élections primaires de l'Union sacrée a promis de faire de cette institution un véritable temple de la démocratie congolaise une fois élue. Les détails dans ce reportage de Annie Mbalaka. C'est la première étape d'un processus qui aboutira à l'élection du président de l'Assemblée nationale, élection prévue le 18 mai prochain à l'Union sacrée. Vital Kamerhe et les choix du consensus après les primaires. Les candidats président de l'Assemblée nationale de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamerhe, a déposé sa candidature le lundi 13 mai 2024 à la salle des banquets du Palais du Peuple. Il est accompagné de Jean-Lucien Boussa et autres membres de l'Union sacrée. Formalité administrative terminée, le candidat président de l'Assemblée national Vital Kamerhe mesure la hauteur des tâches qu'il attend une fois élu et réaffirme sa volonté de travailler pour l'intérêt de la population et faire de l'Assemblée nationale le véritable temple de la démocratie. Nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, les défis de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des enjeux. Non, je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires, en m'élisant comme le candidat unique au poste du président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée de la nation. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle. Et sa voix, ses desiderata, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ça sera un véritable temple de la démocratie. Le rendez-vous est donc prêt pour le samedi 18 mai 2024, date fixée pour les élections du bureau définitif. Toujours à l'Assemblée nationale, les autres candidats d'autres postes à pouvoir ont déposé chacun leur candidature aussi hier. Suivez. Du provisoire, l'Assemblée nationale s'achemine vers la constitution de son bureau définitif prévu pour ce week-end. Dans l'entretemps, les ambitions s'expriment à travers le mécanisme de dépôt des candidatures aux 7 postes. Si à la présidence, Vital Kamerhe est déjà connu, la première vice-présidence est convoitée par le professeur Jean-Claude Tshilumbaï. La deuxième vice-présidence met en compétition des personnalités comme Antipas Mboussa Nyamwisi et Christophe Mboso Kodiapwanga. Au niveau des rapporteurs, rapporteurs adjoints, questeurs et questeurs adjoints, on signale Constant Mutamba, Jacques Joly, Princesse Dominique Munungu pour l'opposition, Grâce Nehema et Dédé Mopassa. Je tiens d'abord à remercier tous les députés nationaux qui m'avaient fait confiance lors des primaires. Mais je remercie aussi le président de la République qui est la haute autorité de l'Union sacrée. Le peuple congolais sera correctement représenté dans cette salle et sa voix, ses desiderata, ses cris de détresse seront relayés par les honorables députés. Ça sera un véritable temple de la démocratie. C'est dans l'unité de l'opposition que nous devons occuper ce rôle, c'est le rôle de représenter l'ensemble de l'opposition et les tâches spécifiques, notamment le contrôle des rapports des vacances parlementaires qu'elle va suivre. Je pense que pour cela, on peut compter sur elle. Elle est suffisamment compétente pour faire le travail. Et nous avons pensé à notre poids politique et pas seulement à la compétence que nous avons, et aussi la représentativité géopolitique. C'est la raison pour laquelle j'ai sur le poste.
de la question à Jean. Parce que nous avons ignoré que le ticket officiel de l'Union sacrée posait problème par rapport au doublon des deux provinces. Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ces jours notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La jeunesse a tant réclamé sa représentativité au niveau des institutions de notre pays. Voilà pourquoi cette jeunesse m'a mandaté pour que je sois leur œil et leur voix au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Au nom de mon regroupement AACPG, j'ai postulé au niveau des questeurs adjoints. Les prochaines étapes seront la campagne électorale, la fiche des listes définitives et présentation des programmes des candidats avant l'élection proprement dite le 18 mai 2024. Influencer la loi fiscale congolaise, c'est autour de ces thèmes que s'est ouvert hier la première édition du forum DRC Tax Masolo, un grand rendez-vous du monde fiscal congolais pour échanger sur la mobilisation et l'amélioration des recettes. Bobette et Yenga pour les détails. Toutes les questions relatives à la fiscalité congolaise seront passées au peigne fin au forum DRC Tax Masolo, placé sous le thème « Influencer la loi fiscale congolaise », une première édition organisée par le cabinet d'audit KPMG en partenariat avec l'ONEC, la FEC et les trois services d'assiette, la DGI, la DGRAD et la DGDA. Ce forum se veut un cadre par excellence d'échange pour apporter des changements susceptibles d'améliorer le système fiscal congolais. Le DRC Tax Masolo est né du souci de voir rationaliser la collecte des recettes de l'État. Il y a 29 régies financières, ça en est un peu trop. Les hommes d'affaires s'en plaignent devant cette multiplicité de gens qui viennent collecter. Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'État pour essayer d'améliorer la situation ? Pour la DGI, ce forum qui s'ouvre ce lundi 13 mai permettra de faire un état des lieux sur la collecte des recettes. Le mot de circonstance du DG Mwakadi Mwamba a été lu par le directeur de communication Goma Mavungu. La direction générale des impôts est plus déterminée à consolider ses partenariats, tout en restant très ouverte à toutes ces solutions tendant à contribuer à l'amélioration des relations afin d'explorer en République démocratique du Congo un bon bilan propice aux affaires. Cinq panels étaient au rendez-vous pour ce premier jour, ainsi que d'autres présentations, notamment celles relatives au KPMG, un réseau mondial multidisciplinaire. D'un seul cœur avec les victimes de bombardements du camp des déplacés des Mugunga à Goma, la délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire a procédé hier à la remise symbolique de l'assistance du gouvernement. C'est avec l'accompagnement du Foranev, nous dit Yvette Makuntima. Ça va bien. Je crois avec un échange technique avec l'équipe de RSP de façon très efficace, et nous aurons très bientôt une bonne conclusion. Et Huawei se comporte selon la conclusion et aussi conformé à la loi de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner à l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir se conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, mais aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat. Parce que le délai est largement dépassé. Et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec le Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi
sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner. Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tshisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base de données. Nous allons les disponibiliser à Huawei et Difform. Mais il est très important de développer ces entrepreneurs dans les secteurs de la technologie parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a ceux-là qui ont tendance de voir que la sous-traitance, ce n'est que dans les mines. Non, la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, raison pour laquelle il est important de développer tous les secteurs. Et d'ici là, vous allez voir la publication qui sera faite pour les entrepreneurs dans les secteurs de la technologie. Venez là de suivre l'échange du DG de l'ARSP avec la délégation de la société technologique Huawei. Suivons à présent la remise symbolique de l'assistance aux déplacés du camp Mugunga par la délégation gouvernementale sur place à Goma avec l'accompagnement du FONAREV. L'ambiance est lourde, l'émotion est bien plus forte pour ces personnes qui viennent de perdre leurs proches lors du dernier bombardement des Mugunga. Ces victimes avec des cœurs meurtris reçoivent l'assistance du gouvernement de main de la délégation gouvernementale en mission de réconfort à Goma, province du Nord Kivu. Une remise symbolique qui témoigne de la compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers ces populations en détresse. C'est la consolation. Dans nos familles, lorsque nous sommes en deuil, la consolation, on n'en fait pas une grande publicité. Avant, les Congolais étaient écrasés comme des cafards, ça ne mouvait personne. Aujourd'hui, non seulement qu'on a un président sensible et compatissant, mais nous avons aussi une première dame qui est très sensible. Répondre aux besoins urgents des victimes, la tâche est aussi celle assignée au FONAREV, au-delà de sa classique mission de réparation déjà bien définie, a martelé Lucien Lundula Lolatui, directeur général. Je me suis engagé auprès du chef de l'État et du gouvernement de la République pour vous accompagner fidèlement dans votre réhabilitation et apporter un tant soit peu ce soutien que nous allons faire symboliquement. Ces abris et produits des premières nécessités apportent soulagement aux victimes, mais les attentes sont nombreuses. J'ai tout perdu dans le bombardement. Merci pour ce que le FONAREV nous a apporté aujourd'hui et vous prions de ne pas nous laisser. Nous remercions le FONAREV pour tout ce qu'il a fait pour nous. Notre plus grand souhait est qu'on nous aide à rentrer chez nous. Mon fils avait 21 ans et c'est lui qui m'aidait. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Après la remise symbolique, la distribution sur les terrains sera assurée par l'autorité provinciale. Plus jamais seul, mieux qu'un slogan, c'est l'angle qui oriente les actions du Fonds des réparations des victimes des violences sexuelles liées aux conflits armés et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV. Du projet Femmes en Action. C'est un projet qui vise à soutenir les femmes du Nord et du Sud Kivu victimes des crimes de genre et des défis socio-économiques et environnementaux. Il est question d'accroître leur adaptation aux effets du changement climatique. Plus de 4500 femmes seront bénéficiaires de ce grand projet. Suivez. Le projet Femmes en Action, dont l'objectif est de soutenir les femmes des provinces du Nord et Sud Kivu en RDC, victimes de crimes de guerre et des défis socio-économiques et environnementaux, a été officiellement lancé à Goma ce lundi 13 mai 2024. Il s'agit d'un projet qui vise à accroître l'adaptation aux effets des changements climatiques en faveur de 4500 jeunes filles et femmes vulnérables des territoires de Walikale au Nord Kivu et Mwenga, Kabare ainsi que Kalehe au Sud Kivu. Il est financé à hauteur de 10 millions de dollars canadiens par Affaires Mondiales Canada, AMC, en
sigle pour une durée de 30 mois. Le dit projet a été lancé en présence des autorités, notamment la directrice chargée des ressources humaines au ministère de l'Environnement, le représentant de l'autorité provinciale à la personne de Serge Farini, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. Ce projet est exécuté en consortium par les organisations Paul Guérin, La Joie et Jan Godel Institute. Cible trois secteurs principaux avec des attentes à des différents niveaux, a révélé Dr Patrick Moututa, directeur national de programme à RDC, au sein de Jan Godel Institute. Il y a des activités où on va fournir des appuis dans la transformation des produits agricoles au niveau de la communauté et on attend à la fin du projet que toutes ces initiatives puissent permettre à des ménages d'être capables de renforcer l'économie du ménage, mais aussi l'économie locale. A noter que 20 à 25% des femmes autochtones sont concernées par ce projet, a souligné Elie Tousekilizane, chef de projet. On parle vraiment de femmes âgées de 15 ans et plus, qui sont beaucoup plus exposées à la non-accès à la terre, et communément appelées femmes autochtones pygmées, parce qu'il faut vraiment en parler, que nous ciblons à hauteur au moins de 20 à 25% pour le projet Femmes en Action. Il importe de souligner que l'ambassadrice du Canada à RDC est intervenu en vidéoconférence. Les syndicalistes de l'hôpital général se sont réunis hier en assemblée générale. La situation sociale de médecins et infirmiers de cet hôpital de l'État congolais était au centre de la dite réunion. Suivez. Il s'agissait au cours de cette assemblée générale des syndicats du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaïmo, convoqués essentiellement pour réfléchir sur les voies et moyens de répondre à la situation salariale précaire des infirmières et infirmiers du département de chirurgie et la levée des suspensions de deux hauts cadres écartés pour avoir réclamé ce qui leur revenait de droit. Plusieurs intervenants ont défilé, notamment le président cellulaire des ordres des infirmiers qui s'est appesanti, entre autres, sur l'amélioration des conditions salariales des agents. Une déclaration a été lue en marge de cette séance de travail. Voici ce que nous déplorons. Le manque de transparence en ce qui concerne la gestion des problèmes de tout genre. La souffrance des infirmiers au bénéfice des autres. Vu tout ce qui précède, nous demandons à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de bon fonctionnement des institutions, de trouver une solution pour notre problème en nous donnant les nouvelles autorités qui seront impartiales. Les recommandations issues de ces travaux seront transmises aux autorités compétentes pour des réponses appropriées. Pour le bien-être de la population congolaise, les groupes Lisungi et le G24 viennent de renouveler leur accord avec un prix bas en francs congolais. Les bénéficiaires pourront se mettre à l'abri des difficultés sanitaires. Un contrat renouvelé pour une durée de 5 ans, nous dit Sandra Nyangi. Encore 5 années de pur bonheur pour les abonnés de Lisungi à travers G24. Ce contrat avant-gardiste de la couverture santé universelle signé entre le G24 de l'honorable Jean-Marie Lukulasi Masamba et le réseau Lisungi de Henry Brown il y a quelques années a permis de prendre en charge près de 25 000 personnes, femmes et enfants, jeunes et vieux. Nous venons de renouveler le contrat avec M. Henry Brown. Mais un contrat signé maintenant en francs congolais, vu qu'on a passé 4 ans ensemble, ils ont fait du bon boulot. Nous avons constaté un appel d'air de beaucoup de jeunes volontaires qui ont rejoint ce programme de réinsertion G24. Donc à ce propos, il nous a semblé bon de renouveler, en tous les cas d'apporter un avenant au contrat que nous avons déjà avec notre partenaire Lusungi. Ce contrat qui vise à passer de 20 000 abonnés actuellement à 50, voire 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Nous voulons soutenir la vision du chef de l'État qui veut privilégier, tous les cas qui veut soutenir, faire de notre monnaie qui soit une monnaie forte. Et donc ce contrat renouvelé sera désormais payé en francs congolais. Ce renouvellement tient compte, entre autres, de la fixation du coût en francs congolais pour plus d'appropriation des populations plus démunies.
La convergence de vues entre les deux partenaires se veut le gage de la longévité du contrat. On a décidé ensemble aujourd'hui que ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on travaille sur le franc congolais et pas sur le dollar. Comme ça, nous allons dans l'esprit de la nouvelle politique du président. Avec cette expérience déjà acquise de 3 ans et demi durant, les populations bénéficiaires disposant des cartes de membres verront leur nombre augmenter. La construction des infrastructures de base pour les comptes du programme de développement de 145 territoires continue dans certaines provinces de la République démocratique du Congo. À Kibumbu, dans les Maniema, quelques écoles sont encore en pleine construction. Parmi les infrastructures prévues à construire dans différents territoires de la province du Maniema, avec les programmes de développement local 145 territoires, plusieurs acquises un retard criant par rapport au délai d'exécution imparti. Celle le P Kailo, complètement achevée dans le territoire de Kailo, tandis qu'à l'épée Manois, au village Katako, toujours dans le territoire de Kailo, les travaux sont au point mort. Dans le territoire de Kibombo, la construction de l'épée Katende réalisée par l'entreprise Africas au village Lopondé a atteint 70%, indique les constructeurs malgré les difficultés rencontrées. Toujours dans le territoire de Kibombo, 6 assemblent marché avec Safricas. Les travaux confiés à l'entreprise qui paie le machine multi-service Sarel, EKMM Sarel, pour la construction de 2 bâtiments destinés à l'épée d'Ifuma n'avancent pas du tout. Depuis les démarrages en 2023, seule la fondation qui est encore visible. Constructeurs évoquent d'énormes difficultés pour le finissage. Les constats ont été faits par les réseaux de journalistes et communicateurs du développement RCDD, M. Joseph Ilunga, expert du comité technique de suivi, sous tutelle du ministère du plan du gouvernement central et les experts du PNIT, superviseur de l'exécution du PDLSA 45 territoires. La déception des bénéficiaires exprimée par Fanny Fatouma Omega, enseignante en 5e année primaire à l'école d'Ifuma. Cette inquiétude de la population du village d'Ifuma, territoire de Kibombo, province du Maniema, vaut une interpellation à toutes les parties prenantes pour l'accélération des travaux. Le mouvement citoyen Képi Blanc a fait une analyse sur la situation de l'heure et a fait une lecture positive. Suivez. Le mouvement citoyen Képi Blanc, MCKB, une structure de la société civile pour la défense des droits de l'homme, spécialement le droit des femmes, s'est engagé dans l'observation de l'évolution de tous les enjeux politiques de l'heure dans les pays. Nomination d'une femme chef du gouvernement, une première pour la RDC, élection de gouverneurs et sénateurs, sans oublier la mission accomplie par le secrétaire général de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabuya, comme informateur et formateur jusqu'à asseoir la vraie majorité au sein de l'Union sacrée de la nation, au Parlement et au niveau des instances délibérantes et représentatives en province. Ces paysages politiques réconfortent davantage le pouvoir du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu à une majorité écrasante pour son second quinquennat. À travers cette lecture positive, le mouvement citoyen Képi Blanc apporte sa voix de soutien et d'encouragement à la première ministre Judith Suminwa et au secrétaire général de l'UDPS. Au secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo, élu sénateur de la ville de Kinshasa, et sa capacité de dénicher une majorité écrasante à tous les niveaux, provincial, national, gouvernoral et sénatorial. En tant que première femme à occuper cette fonction, Mme Judith Toluka ouvre la voie pour d'autres femmes à poursuivre leurs aspirations et à contribuer activement au développement de notre pays. Ainsi donc, le mouvement citoyen Képi Blanc lui souhaite plein succès dans ses nouvelles tâches et reste convaincu qu'elle continuera à servir le peuple congolais avec intégrité et détermination en répondant à ses attentes. Le mouvement citoyen Képi Blanc vous rassure donc de son soutien indéfectible. Présentement, regard tourné vers le Parlement pour l'élection du bureau définitif, attente de la publication de l'équipe gouvernementale, c'est à cela que les Congolais sont suspendus pour la bonne marche du pays, souligne-t-il.
Place à la lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. FARDC 123, les affrontements s'approchent de Massissi Centre. Plusieurs civils fuient vers le territoire de Walikale, annonce actualité.cd. Les combats entre les rebelles du 1-23 RDF et les FARDC, appuyés par les Wazalendo, ont repris lundi 13 mai sur plusieurs axes dans le territoire de Massissi au nord Kivu. C'est notamment à Katale, à Bipéété, à plus ou moins 13 km de Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi. Selon le président de la société civile de Massissi, Voltaire Batundi, les combats sont à la porte de Massissi Centre. Nombreux habitants, craignant d'être pris en étau, se dirigent vers le territoire voisin de Walikale. Au Katanga, une tentative d'incursion des Mai Mai Bakata Katanga fait deux morts ici présumés miliciens aux arrêts, rapporte 7 sur 7.cd. Selon le journal, au moins deux morts ici présumés Mai Mai Bakata Katanga ont été enregistrés lors de la tentative d'incursion des miliciens, précisément à 25 km du village Malamboué, vers le parc national de Kundelungu, sous la route Kasinga, à plus de 80 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, le dimanche 12 mai 2024. D'après la Ligue nationale des paysans des droits humains de cette entité, ces présumés miliciens armés ont attaqué la barrière de FARDC érigée près du village Ninga. Des échanges de tirs ont causé la mort de deux éléments, dont un de l'armée et l'autre du service national, venu en renfort. La FEC et l'ARSP enterrent la hache de guerre, titre Le Quotidien. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, vont désormais travailler main dans la main pour la réalisation de la vision du président de la République, écrit Le Confrère. Au cours d'une séance de travail organisée par le ministre de l'Entrepreneuriat, le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Catimp, et le président national de la FEC, Robert Malumba, ont décidé de mettre un terme à leur divergence sur les recommandations de sous-traitants pour l'exécution des marchés au sein des entreprises principales de différents secteurs. Au-delà du règlement du différend, le ministre de l'Entrepreneuriat a réuni les deux structures en vue de procéder à l'évaluation de leur niveau de collaboration. Quand l'Union européenne tente et calme la RDC face à son accord sur les minerais avec le Rwanda, révèle Politico.cd. En réponse aux tensions croissantes, écrit le journal, Nicolas Berlanga Martinez, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a tenté de désamorcer la situation lors de la journée de l'Europe le 9 mai. Il a reconnu que l'Union européenne aurait dû faire preuve de plus de sensibilité et fournir des explications concernant cet accord. Il a souligné que les efforts étaient en cours pour orienter les bénéfices de cet accord vers la RDC. Messieurs, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal de tourisme au Tamboué réalisé par Louison Moulongoy et Nono Masekou. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la Radio-Télévision nationale congolaise. Merci.